À quelques jours seulement de son concert inédit, dont l'entrée est fixée à 50 000 francs et à 200 000 francs pour les VIP, l'on continue de se poser la question si oui ou non ce concert aura lieu effectivement au pays des hommes intègres. Voici la réponse de Rama la Slameuse au cours d'une interview improvisée ce mercredi 9 décembre avec la presse. Rien ni personne ne peut arrêter ce concert. Le monde entier a vu toutes nos affiches, aucun sponsor. Rama se suffit énormément pour faire son concert. Il faut dire que pour moi, l'heure est venue de lancer ma carrière à l'international. Et ce concert est un CV très lourd pour ma carrière à l'extérieur. Voilà, donc moi je ne fais pas mon concert en espérant que la salle refuse du monde. Je me contenterai vraiment de cette masse silencieuse qui croit en moi et qui me soutient. Voilà, même si nous avons vendu 50 tickets, 100 tickets, 200 tickets, le plus important au fait c'est que la parole donnée aux yeux de l'opinion publique soit sacrée. Donc ce concert aura lieu dans quelques jours. Et c'est pour ce concert que nous sommes ici. C'est pour ce concert que Rama la Slameuse est à l'aéroport actuellement. C'était à l'occasion de la présentation de sa nouvelle robe arrivée de Turquie qui lui aurait coûté la gigantesque somme de 2 900 000 francs CFA. La robe m'a coûté 2 900 000 CFA, soit 5 360 dollars américains. On ne peut pas vouloir écrire l'histoire en faisant ce que les autres ont déjà fait. On écrit l'histoire en faisant ce que les gens ne peuvent pas faire. Et c'est ce que Rama est en train de faire. Malheureusement, l'événement qui a mobilisé plus d'une trentaine de médias à scandale et People n'aura pas lieu. La douane donne une date ultérieure à la star propriétaire de la robe pour entrer en possession de son colis après les formalités douanières. À suivre.